Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 411, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite reaction live du chapitre 116 de Eden Zero, hein. Donc on s'était laissé sur le combat donc entre les hommes de Nero et Chiki du coup. Le truc qui était un peu bizarre, c'est que justement on avait une des personnes qui disait, donc c'était la meuf, hein, j'ai oublié son nom, qui disait, enfin qui l'avait appelé Grand Démon je crois, donc si je dis pas de bêtises, et qui trouvait que c'était les pouvoirs d'une de ses connaissances. Donc moi j'avais dit pourquoi pas, est-ce que ce serait son daron, hein, après tout je suis pas sûr qu'il le connaisse ou de toute façon forcément qu'il existe peut-être. Mais bon du coup on va se lancer ça tout de suite, alors c'est parti. Alors donc chapitre 116, le nettoyeur aérien. Donc là on a la petite sister qui est au bord de la plage en bikini, hein, forcément. Ça y est, donc là nous sommes sur le début du chapitre avec Chiki qui est sur, enfin à terre devant l'autre, et l'autre qui tenait bien une tête en fait, hein, c'était bien une tête d'un robot géant. Donc il se regarde un peu bizarre, et Chiki qui est vénère. Il faut nous débarrasser de ce truc collant, si ce n'est, enfin si c'est de l'Ethergear, l'IMP de Pino doit pouvoir l'annihiler. Bon, je suis pas sûr que ce soit de l'Ether, hein, c'est un peu bizarre quand même. Non, cette colle n'a rien de mécanique. Bah oui, t'es compte. À l'aide. Ah d'accord, oui. Je me dis pourquoi il dit à l'aide, y a rien. Mais non, en fait, c'est parce que c'est la forme du gun de Happy qui est enfermé sous la colle. Chiki, sers-toi de la gravité pour tout arracher. Bonne idée. De la gravité. Et l'autre, il lui balance la tête en plein dans la gueule. Hey. L'autre, il fait pourquoi tu fais ça là. Enfin, c'est le mec à côté en tout cas qui fait ça. Chiki qui arrête la tête en mode vénère et ok, il la balance dans les airs. Hein. Il se joue facilement d'une masse aussi importante. Ah, d'accord, en fait ces lunettes c'est comme des... Bip bip bip, ça fait un peu comme les trucs de radar des gardiens... Des merde, des guerriers Saiyan. Donc, c'est un utilisateur de la gravité comme Maître Shura. Moi je vous le dis, il y a peut-être quelque chose, hein, Shura, Chiki, bon, c'est peut-être un peu... Voilà, quoi. Voilà, ah, oui, ok. Il utilise la gravité pour attirer la colle à lui-même, ce qui fait que ça l'arrache. Bonne idée, très très bonne idée. Chiki, tu es trop fort. La colle s'arrache de nos corps. Ah oui, c'est très bien joué. Bien joué. Quoi? En théorie, c'est carrément pas possible, ça. Et oui, mécanique, mécanique démoniaque. Et il lève la main comme ça, je sais pas ce qu'il est en train de préparer. Zone de gravité, c'est tellement stylé. Oh là là. Là, il est en train d'attirer tout à lui, quoi. Vraiment la zone de gravité stylée, quoi. Le problème, c'est qu'il est en train d'attirer tout le monde, là. Mais tout se décolle. Oui. Même la tenue, en fait. Nos vêtements aussi. Ah bah là, la zone de gravité, il rigole pas. Hein. Mais bon, au moins, ils sont tous libres. Mais c'est une blague? Chiki, tu nous as déchiré nos vêtements. Ah, mais c'est pas ma faute. Attends un peu. Le bâtard, il est comme ça. Mais attends, mais tu nous as déchiré nos vêtements. Mais attends, mais les filles aussi. Ah, avec son petit air de... Mais ça veut dire que... Attends, même Chiki dit ça. Aïe, aïe, bon. Rebecca n'a pratiquement plus rien sur elle. Omura, ça va. Ne nous regardez pas. En plus, je suis toute collante. Oh là, dégueulasse, dit comme ça. Avec toi, Rebecca, on finit toujours en tenue sexy. Ah, c'est vrai qu'elle, il lui manque pas grand-chose, hein, non plus. Je crois qu'elle est en tenue. Excédent thermique détecté dans les airs. Un excédent thermique? Comment ça? Ah, des petits robots. C'est ceux que je crois qui ont attaqué l'Eden Zero, si je dis pas de bêtises. Ils ont tous une espèce de trèfle un peu bizarre. Des drones? Le nettoyage n'avait pas été encore effectué. Hein. Plusieurs humains à forte capacité des airs repérés, éliminés. Donc, est-ce qu'ils vont attaquer les mecs de Nero? Ce serait marrant, ça, par contre. Oh! Ah oui, pour larguer des bombes, ça y va. Hein. Ils ont largué au moins une dizaine chacun. Et il y en a au moins une bonne vingtaine. Ça va faire mal. Ce sont des bombardiers. On se tire d'ici. La zone d'explosion. Ils sont en train d'exploser toute la forêt, quoi. Ah ouais, oh là 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 là, le nettoyage par le vide, quoi. Monstrueux, quoi. Kia ! Et là, t'as Rebecca qui tombe par terre, qui est un peu dans la merde. Mais, bande de malades ! Ils sont prêts à tous nous faire disparaître. Ouais. Oui, c'est vrai que... Ah oui, non, c'est parce qu'ils ont détecté qu'ils avaient de l'éther, c'est pour ça. Ils sont en train de tous les péter. Ouais, orc, qu'est-ce qui se passe ?
Orc se met à sauter dans les airs et... Ah, est-ce que ce serait pas les machines? En fait, je viens de me... Ok, je suis désolé, je viens de me rendre compte. Parce qu'en fait, le mec vient d'attaquer le robot, en fait. Donc, j'étais persuadé qu'ils étaient avec Nero. En fait, pas du tout. Hein. Eux, ils sont là pour exterminer vraiment tous les humains, d'accord. Donc, ce sont les machines qui ont été contrôlées. Et là, il est en train d'arracher les câbles. Je t'emprunte ça. What? Il lui a enlevé des fils et il les a... On va dire greffé à son bras, quoi. C'est un peu bizarre. Blessed Man Arm. Et du coup, il a des tentacules senpai qui sortent de son bras. C'est trop bizarre. On dirait un peu le... Genre, limite, le pouvoir du gars, là, de Kid. Je crois que c'est ça, Kid, dans One Piece, si je dis pas de bêtises. Et il a des sortes de lasers. Et il tire avec, du coup, d'accord. Il tire avec son bras sur le côté. What the fuck? Et waouh, il est balèze. Hey, est-ce que tout le monde va bien? Le mec qui dit ça, il y a des flammes partout, il y a plus de végétation, ça brûle de ouf et tout. Et, what the fuck? Hey les gars, ça va ou quoi? Bon alors, où sont-ils tous passés? On a été séparés. Shiki, Rebecca, Omura. Mais je n'ai plus de signal. Et oui, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Le problème, c'est que là, Rebecca, elle a plus grand chose sur elle. Hein. Happy, puis nous? Mon transmetteur est HS, le mien aussi. J'espère que tout le monde s'en est sorti. Bah... Oh là 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 là, la forêt, elle est carbonisée, quoi. Personne ne répond. Bon, en même temps, c'était comme ça depuis le début, hein. Donc, c'est la cata, ici aussi. Il n'y a plus rien à manger. Je m'inquiète. Enfin, je ne m'inquiète pas pour ça. Wise. Ah, par contre, les communications avec Armit fonctionnent. Ici, Armit, content de te joindre enfin. Tu sais où sont les autres? Non, la zone a été soumise à un brouillard très puissant. Donc, Wise, tu pourrais revenir à bord. On a un gros problème à régler. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Que les autres... Le virus peut contrôler, peut-être, que ça pourra tomber sur les... Les quatre éléments. Mais, enfin, les quatre... Merde, les quoi, les quatre déjà... Les quatre étoiles, même s'il n'y en a plus que trois. Mais ouais. La situation, donc, en laissant tout le monde ici, la situation à bord est très très grave. Qu'est-ce qui se passe? Une pénurie, donc, de denrées alimentaires. Mais non, mais ferme tes gueules, arrête de conneries. On a besoin de... On a besoin de tes pouvoirs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que lui, il peut faire avec tout ce qui est de mécanique et tout ça. Il faut stopper la dérive de cette planète avant que les quatre étoiles brillantes se fassent avoir. Et c'est vrai que s'ils se fassent avoir, Wise... Non, Witch. Witch peut être un très très gros morceau en combat. Hein. Ça peut être un peu vénère. Hein. C'est dingue. Quelle chaleur. Ah bah ouais, bah là, Omura, elle... Elle morfle. Hein. C'est vrai qu'elle aime pas du tout le chaud. Hein. Je dois m'éloigner du feu. Moi, ce qui est chaud m'a toujours posé problème, et je commence à avoir la tête qui tourne. Ah ouais, j'avoue qu'elle est en train de tomber dans les vapes. Oh, tu as l'air mal en point. Encore le méchant qui va lui sauter dessus. Ça pourrait être amusant de t'accrocher à un arbre et de te faire flamber, non? Ah, voilà qui est mieux. Ah d'accord. Donc, elle avait quand même un petit truc, mais elle a pris des feuilles pour se mettre une tenue. Un peu olé olé, un peu sexy, mais bon. Allons chercher les autres. Ah, elle est en train de s'attacher les cheveux. Ça ne sera pas nécessaire. De la fumée. Attends, il y a de la fumée qui lui sort des pieds à l'autre gonzesse. Parce que là, du coup, on a l'autre fille. Que... Alors, attends. Puisque tu ne reverras jamais tes compagnons. Et la meuf, elle a de la fumée qui sort de la bouche. Est-ce qu'elle est capable de faire comme Natsu et de manger le feu? Ça serait drôle, ça. Aïe, 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 aïe. Donc là, ça brûle encore, mais que peuvent-ils où peuvent-ils bien être? Et là, ça sera Shiki, certainement, face à l'autre mec robot, là. Oh, le mec tellement stylé! Le robot, il tombe, et le gars, il est assis comme ça, sur le robot, il tombe tout seul. Il est trop stylé, trop badass. Désolé pour l'attente, utilisateur de la gravité. Ok, d'accord, donc le chapitre se termine comme ça, sur le plan entre les deux qui vont s'affronter. Ouah, ça va être chaud. Du coup, on va avoir des combats stylés, hein, parce que là, mine de rien, Rebecca va se retrouver avec la meuf, là, qui... Ah, mais oui, je l'avais pas, même pas vue, là-haut. Parce qu'elle dit que ce n'est pas nécessaire, mais j'avais même pas fait gaffe que c'était elle qui parlait, là-haut, en fait. Et qu'elle a du feu autour d'elle, quoi, enfin, de la fumée, quoi. Aïe, 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 d'accord, donc là, il va y avoir des combats plutôt classe. Certainement, parce que du coup, mine de rien, Rebecca, elle peut foncer à une vitesse assez folle. Avec son Cat Leaper. Non, Cat Leaper, je crois que c'est pour le truc de revenir dans le passé. Donc,
4 looping. Je sais plus comment s'appelle son truc pour aller super vite. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, franchement, ça promet pour la suite, pour les combats, parce que là du coup, étant donné qu'ils sont à peu près tous séparés, Shiki qui va se retrouver avec le gros morceau, donc le mec assez balèze, qui, donc c'est pas lui qui a l'air de connaître Shura, c'est plutôt l'autre gonzesse, mais l'autre gonzesse, c'est un peu spécial, qui va se retrouver du coup contre la petite Rebecca. Mine de rien, elle est quand même accompagnée de Pino, et Pino, étant donné qu'elle a son IMP, même si c'est vrai qu'elle peut désactiver, je crois qu'elle peut désactiver Happy, donc en fait je me suis dit, si elle active son IMP, active Happy, si elle est en arme, je sais pas si ça continue de fonctionner techniquement, mais bon, franchement son combat pourrait être très sympa, et du coup on a le, l'autre 4 étoiles, du coup Omura, qui va se retrouver contre l'autre. Déjà que Shiki avait un tout petit peu de mal. Bon après il n'était pas non plus transformé en mode vénère hein, et là je pense que quand il va retourner dans cette forme là quelque chose me dit que de toute façon sa transformation n'est pas encore terminée hein. Il doit y avoir encore un stade au dessus où le mec il va complètement barger devenir barjo en mode démon de ouf. Et ça peut être tellement stylé. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Eden Zero. D'ici là je vous dis donc portez-vous bien et à plus tout le monde.